Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi 20, 20, 20, 20, 29. Mais je crois qu'on était le 28, vous voyez. Je sais pas si j'ai pas marqué 28 au boulot aujourd'hui. Enfin, je sais plus. Enfin bref, je promets là. Bref, nous sommes donc le jeudi 29 avril pour une journée. Enfin, pour le boulot c'est un peu plus grave, mais bon, pour la vidéo, on s'en fiche. Donc j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un gros courrier comme ceci. Donc j'étais au courant, mais elle a envoyé que hier en fait, et il est déjà arrivé, donc c'est un truc de dingue, il est arrivé trop trop vite quoi. Donc c'est de la part. Alors, c'est de la part de Sylvie, donc S. Je n'y dis pas les noms de famille. Et donc, elle m'a contactée sur Facebook. Donc, c'est une nouvelle abonnée. Je te remercie beaucoup de t'être abonnée à ma chaîne. Bienvenue avec la team. Et la vie, voilà, une chaîne où on se prend pas la, on se prend pas la tête. Hein. On scrappe et on fait des petites choses. Voilà, comme ça vient. Et donc du coup elle m'a contactée voilà par mail parce que là où elle travaille en fait elle peut récupérer de la carte honnête. Et la dernière fois en fait elle a vu ma vidéo que je parlais des cartes honnêtes que j'avais vues sûrement à Cultura qui enfin, je trouvais que c'était super cher en fait pour des pour juste du carton. Et du coup elle m'a proposé de m'en envoyer. Donc voilà, je suis super contente. Donc du coup elle m'a envoyé. Donc bah ça va faire mon petit cadeau d'anniversaire, on va dire, puisque voilà, c'était il y a une semaine. Donc voilà. Moi je considère ça que ça fait un petit cadeau. Donc voilà, je voulais ouvrir avec vous et vous montrer en fait les petites cartonnettes qu'elle m'a mis. Enfin petites. Je sais pas pourquoi on dit toujours petit alors que c'est pas petit quoi. Et bah, je suis super contente du coup d'avoir de la cartonnette. Alors, c'est super bien scotché. Donc je vais essayer d'ouvrir ça. Sans rien découper à l'intérieur au passage. Hop. Ah oui, en effet, j'en ai. Pas mal. Ah ben. Donc c'est juste top. Ah ouais. Alors. Donc elle m'a bien emballé en plus dans du papier bulle donc le carton ne s'abîme pas. Et alors du coup j'ai. Ah ouais, mais c'est plein, c'est cool. Ah ouais, mais tu m'en as envoyé. Ah, c'est top, regardez-moi ça, quoi. Donc, ouais, c'est de la cartonnette qui est quand même bien, bien épaisse. Et alors, elle est lisse. Ah, putain, c'est trop bien. Et alors, donc là, j'ai des tailles comme ça en carré. C'est juste génial, Sylvie. Franchement, merci beaucoup. Ça fait 12. Donc, vous voyez, même pour faire un petit album, là. La cartonnette comme ça qui fait 12-12. Donc elle m'en a envoyé franchement un, mais alors un gros paquet. J'en ai sur les quatre coins là. C'est juste. Mais alors c'est juste au top. Putain, c'est trop bien ce que t'as, ton boulot, quoi. Ah ouais, c'est génial. Puis alors elle est quand même. Elle est raide, quoi. Oh, et franchement, c'est topissime. Je t'en remercie beaucoup. C'est génial. Donc là, j'en ai encore ici de la cartonnette comme ça, carré. Ensuite, elle m'a envoyé des cartons comme ça. Donc pareil, ben, on peut découper de toute façon ici. Hop. Et récupérer les trois morceaux pour faire pareil des albums. Donc là, voilà, ça fait à peu près 10 et demi au plus près si on ne garde pas ça. Et sinon, ça fait 11 et demi. Même après, on peut garder un petit peu les abords comme ça. Pourquoi pas? Ça peut donner un style à l'album. Et là, pareil, elle m'en a mis. J'en ai 4 comme ça. Donc, c'est top aussi. C'est génial. C'est génial. Merci, merci. Ah, là, j'ai. Oh, petite carte pour Betty. Eh, tu l'as trouvé où lui? Ah, mais c'est un vrai timbre à la base. Regardez.
On dirait, franchement, on dirait. À part que moi, elle a qu'une tache, mais sur le dos, elle a des petites taches aussi comme ça, quoi. Mais moi, elle a qu'une tache, mais c'est la même couleur, quoi. C'est vraiment la même bouille que Ishka, quoi. Et il est trop, trop joli ce timbre. J'adore. Et donc là, j'ai une, oh, une jolie carte. Un boubou bébé. Ah, mais t'as fait mon tuto. Génial. Vous savez, la carte à mouvement que je vous avais fait en tuto avec la voiture, et bien moi je l'ai avec un boubou. Et ça, c'est un bébé boubou en plus. On le voit. Et c'est la couleur, vraiment la couleur d'Ishka, quoi. C'est top. Regardez. Hop. Là, je sais pas où tu les as vus, tes petits feuillages comme ça. Ils sont trop, trop chouettes. En brillant comme ça. Ils sont vraiment très, très beaux. J'adore. Ils sont super jolis. Oh, ça c'est un papier gelé là, celui d'Action. Avec Boubinou et ses petites lunettes comme ça. Ils sont trop trop beaux. Oh. Ah ben voilà, c'est pour mon anniversaire. C'est bien ce que je dis. Donc moi je dis c'est mon cadeau d'anniversaire, mais ouais, c'est mon cadeau d'anniversaire. Frenchy Bulldog, il est trop beau ton. C'est même pas un tampon, mais. Ah j'adore. Tout bébé comme ça. Ils nous rendent gaga, hein, ces chiens, c'est dingue. Hein, mais moi, franchement, j'adore. Déjà, ils ont une tête. Ce que je disais tout à l'heure avec ma collègue de boulot, parce qu'elle en a un aussi. Et en fait, ils ont des têtes, on dirait qu'ils sont toujours malheureux et tout. Donc, en fait, on leur cède tout, quoi. Ils ont vraiment des bouilles, franchement. Puis, alors, ils ont un caractère, mais je vous dis même pas plus. C'est des anges, quoi. C'est des anges. Ah, oula, oui. Donc, j'ai un très, très long mot. Ah, oui. Donc, je vais le lire. Hein. Donc, comme ça, je vous laisse apprécier la carte en attendant. Ah oui, elle me sera très, très utile, la cartonnette, ça, c'est clair. Même s'il y a une semaine de retard pour l'anniversaire, c'est pas grave. Voilà, mieux au tard que jamais, comme on dit. Hein. Ah, elle avait fait une carte comme ça avec Yoshi. Pour ceux qui connaissent Mario et tout ça, Yoshi, c'est le petit. Yoshi, je crois que c'est le petit dragon qui tire la langue. Hop. Ah, t'as fait plein de tutos, c'est cool. Elle m'énumère en fait tous les tutos qu'elle a fait de ma chaîne, mais en fait, on a fait plein. Voilà, j'allais le dire. En fait, elle dit bah, que j'explique bien, enfin j'essaye du moins d'expliquer au mieux que je peux en fait mes tutos, enfin ce que je fais et tout, parce que même des fois, je ne sais pas si vous me comprenez. Et du coup, elle dit que c'est pas parfait, mais moi non plus, c'est jamais parfait, hein, je vous le dis tout de suite, il y a des défauts, il y a des trucs. Mais après, comme elle dit, la perfection, je pense qu'on l'a jamais, et puis la perfection non plus n'existe pas. Enfin, je pense quoi, voilà, personne n'est parfait quoi. Ah, son mari, ben oui. Donc tu sais ce que c'est travailler en grande surface. Enfin, quoique c'est pas une grande surface, moi, un grand frais, mais c'est tout comme quoi. Eh bien, merci pour le bonheur en tout cas que tu me donnes, Sylvie. Et merci bah, d'être là, de faire partie de la team. Et j'espère que tu resteras bah, avec moi, hein, à mes côtés, et que mes tutos te plairont toujours autant. En tout cas, ta carte est trop choupie avec tous ces boubous là, franchement. J'adore, j'ai l'impression de voir Ishka partout. Bah là, j'ai ouvert la porte de ma chambre, elle est partie dormir, elle est sur le lit. Comme ça, au moins, c'est quand même mieux d'être sur le dodo de maman que d'être sur son dodo à elle. Ah, Lilou! Elle est en mode coma là, donc je l'ai perdue la chienne. En tout cas, merci beaucoup Sylvie, ton mot, il fait super plaisir. Et donc, tes cartonnettes. Donc, on continue les cartonnettes. Donc, là, j'ai. Donc, je ne vais pas les sortir. Je vais toutes les laisser là-dedans, je pense. Comme ça, je sais que mes cartonnettes seront là-dedans. Mais c'est juste top, quoi. Tu m'en as mis au taquet. Je suis trop contente. Et donc, du coup, j'ai des grandes aussi. Voilà, comme ça.
Donc là, franchement, je ne sais pas combien elles mesurent, mais elles sont super grandes. Alors, pour petite histoire, donc celles-là, ok, elles sont un peu plus souples que celles-ci, qui sont vraiment vachement, qui sont vraiment vachement, ça se dit pas, qui sont vraiment plus rigides. Donc, parce que je sais qu'il y en a plein, l'autre fois, il y a une fille qui demandait pour de la cartonnette sur un groupe de scrap, je sais plus lequel. Il y en a plein, ouais, Stampin' Up, Stampin' Up. Donc, très bien, oui, Stampin' Up, sûrement qu'ils font de la cartonnette super rigide, super bien, etc. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas forcément les budgets ou les moyens, etc., comme je dis, vous pouvez utiliser les cartonnettes qu'on a derrière les blocs 30-30 de chez Action ou ailleurs. Et si c'est trop souple comme ça, en fait, vous coupez deux fois la dimension qu'il vous faut et vous collez les cartons les uns sur les autres. Voilà, si vous doublez votre carton en les collant, en fait, ben, ça deviendra plus rigide. Ou alors, si vous pouvez récupérer des anciens calendriers, vous savez, sous main comme ça, voilà, c'est top aussi, c'est super rigide et ça fait le taf. Moi, franchement, ça va très bien m'aller. Et comme je vous dis, même si c'est souple, on coupe à la même dimension, on les colle les uns sur les autres et ça sera un peu plus rigide. Et pour moi, c'est juste top. Et alors, ceux-là, ils sont vraiment géniaux. Je ne sais pas à la base ce que c'est en fait dans ton boulot, quoi, parce qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai, je t'ai pas demandé dans quoi tu travailles et tout. Après, je ne vais pas rentrer dans votre vie privée non plus en me dire tu travailles où, t'habites où, je fais. Non, mais en tout cas, c'est top. Alors, moi, je reste au taf. Franchement, je les prendrai aussi. Des fois, j'hésite à prendre. En fait, on a les packs de lait, vous savez, et dessus, les packs de lait, des fois, j'ai des grands cartons qui séparent, en fait, ben, les rangées de packs de lait. Et des fois, je me dis, tiens, je le prendrais bien. Mais le problème, c'est que c'est pas du carton comme ça. C'est du carton, après, à l'intérieur, vous savez, ça fait des petites alvéoles, là. Et donc, du coup, je me dis que ça va pas être pratique, ça va être, je sais pas, ça sera pas top, quoi. Donc, du coup, voilà. Eh bien, écoute Sylvie, je suis super contente. Voilà, ben, vous voyez comme quoi offrir du carton à un anniversaire, ben, ça rend heureux. Hein. Comme quoi, il n'en faut pas beaucoup. Mais c'est, enfin, ça faut, il n'en faut pas beaucoup, mais c'est juste énorme. Je suis trop, trop contente. Et puis même ça, ceux-là, en plus, ils sont de bonne taille pour faire des mini. C'est. Juste top. Et du coup, ben, tu sais quoi? Ça me donne envie de faire un album pour les tester là. Même un album basique, mais ouais, j'ai envie de les tester. Bon, ben, sur ce, Sylvie, je te remercie énormément pour ces cartonnettes. Je te remercie aussi pour ton gentil mot et ta carte avec des ishka partout, quoi, avec des petits boubous. Franchement, c'est trop, trop bien. Ça me touche énormément aussi. Et puis voilà la team. Donc je vous ai fait participer à cette petite ouverture. Petite, j'arrête de dire petite tout le temps. À cette ouverture de balle. Et bah, écoutez, préparez-vous à avoir un album dans pas longtemps. De toute façon, si vous allez avoir un album, mais j'avais pas reçu ça encore. Donc rien à voir. Mais préparez-vous à avoir un album, c'est sûr. Mais un album. Après, je vous avais dit qu'on devait faire l'album avec la reliure à accordéon aussi, mais pour l'instant, ouais, c'est vrai que là, depuis que j'ai repris le tout boulot, les vacances, de toute façon, je les ai pas vues passer. J'ai l'impression que j'ai rien fait pendant mes vacances et qu'elles m'ont pas reposé en plus. Et là, j'ai tellement de trucs à vous montrer, j'ai tellement envie de faire de choses que voilà. Mais vous voyez, il est déjà 3 heures. Dans 1 heure, je vais chercher Léa à l'école, dans 1 heure et demie, donc ça passe déjà super vite le temps. Donc, et puis ce week-end, on est le 1er mai, je travaille pas, mais du coup, on est invité. Donc, samedi et dimanche. Donc, du coup, va falloir quand même que je fasse des vidéos pour samedi et dimanche. Et j'ai quelque chose à faire aussi, mais je pense que ça, je vais le faire hors caméra. Parce que ça reste peut-être trop, trop long à le faire en vidéo. Et je ne sais pas en plus comment je vais partir pour un anniversaire. Et donc, voilà. Bon, on va voir tout ça de toute façon. Bon, sur ce, la team, je vous laisse, je vous embrasse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes, surtout, je vous adore, mais surtout, protégez-vous. Allez, bisous, bisous.